Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue pour ce nouveau Flash Info, dont aujourd'hui est consacré à Aigle Moss. Donc Aigle Moss, ils nous ont sorti déjà l'Ecto One, l'USS Enterprise, la DeLorean, la Mustang de Eleanor que je vous ai présenté sur la chaîne. En janvier, ils vont nous sortir le Titanic, qui est juste derrière moi en photo, allez voir le détail juste après. Ils nous ont aussi demandé notre avis sur plusieurs autres modèles, donc on va aller voir tout ça tout de suite. Concernant Titanic et la Batmobile, il y a des groupes Facebook d'autostruction, les liens sont dans la description. Et je vous mets de toute façon tous les liens de ce que l'on va voir dans la description. Alors on commence par le Titanic, à la grande échelle, à échelle 1/250, construction classique en bois et métal. Montré plutôt authentique, livré avec des lumières, plus de 105 cm de long, facile à construire. On peut pas montrer notre intérêt, mais elle sortira en janvier. Donc après, complete, on a tout le détail, donc une base solide. Et hélice, les tonneaux de sauvetage, cheminée et détail du pont, une taille impressionnante, l'éclairage, et ça je trouve ça vraiment superbe de pouvoir l'éclairer de l'intérieur et de l'extérieur, les mâts et gréments. Donc 107,6 cm exactement de long. Le premier titre est à 2,99€. Donc là, on voit avec l'éclairage. Et quand une fois que c'est allumé, ça fait vraiment superbe. Peut-être avec une ou deux LED, là, qui éclaire le bas en plus. Ce serait superbe. Ensuite, les cadeaux. Donc il y a la base d'exposition, le titre d'éclairage externe, le interne. Le classeur, la ponceuse, les toits pivotant et perceuse et la pince loupante. Ce qu'il y aura dans nos magazines. Donc l'assemblage du modèle, les chroniques du Titanic, le récit de passagers. Et des reportages sur l'insubmersible. Donc on a des vues aériennes aussi, quelques vidéos. Superbe. Quoi s'occuper un petit moment déjà quand ce sera ça. Donc là, avec les lumières. Une petite vue à 360. Vraiment superbe. Comment ça marche. Ensuite, tous les mois, vous recevrez 5 titres de montage non peint et le magazine pour seulement 8,99€ par titre, plus 99 centimes de frais de port par numéro aussi. Les 7 cadeaux. Et ensuite, en dessous, vous avez tous les détails pour vous abonner, pour si vous souhaitez arrêter votre abonnement, etc., etc. Alors un autre modèle aussi qu'on peut montrer notre intérêt, c'est la Batmobile de la série. Donc cette fois-ci, celle-là, elle est en métal et en plastique injecté. Donc, elle est vraiment très belle aussi, celle-là. De toute façon, dans tous les cas, elle sera sur la chaîne. Par contre, sur le site, vous pouvez juste montrer votre intérêt. Il y a juste ces photos-là. Il y en avait plus avant, je crois. Vous pouvez tout retrouver sur le groupe de construction. Le lien est dans la description. Vous verrez, il y a plein d'autres photos dessus. Il nous demande aussi notre intérêt pour le chemin de traverse de Harry Potter. Donc, facile à construire. Donc, pareil en bois. Donc animé et tout, articulé. Donc à l'échelle 1/200, le modèle final mesure plus de 66 cm de long.
Donc tout est livré pré-peint. Il n'y a pas besoin de colle ou de baguette magique. Donc on voit, voilà, le chapeau articulé, le dragon. Vraiment superbe. Donc on peut montrer notre intérêt. L'offre de lancement est à 8,99€. Rien déjà pour 8,99€, vous aurez fleurie et bottes complet avec la lumière, tout. Donc, comment ça marche? Donc, après chaque mois, vous recevrez chez vous un bâtiment de grande taille, incluant lumière et le plus souvent un moteur, ou deux bâtiments de taille normale, incluant les lumières. Les cadeaux d'une valeur de plus de 60€, le classeur, le poster boîte à flemme et le dragon de Green Dots motorisé. Donc là, on voit exactement le détail des bâtiments, donc éclairé, la base est articulée, des parties motorisées, donc là le chapeau, la glace tournant. Et le dragon, plus de 66 cm de long, là on voit tout le détail d'une partie du chemin, la partie de la deuxième, ce qu'il y aura dans les magazines, donc l'introduction, l'assemblage et les coulisses du tournage. Et ce qu'ils mettent après dans les détails en bas, dans la FAQ. Voilà. Donc il y a 15 kits comprenant le trottoir pavé pour le chemin de traverse. Il y aura 7 kits supplémentaires pour faire l'allée des embrumes. Et 18 kits pour faire le préolard. Quatrième collection, où on peut montrer son intérêt, c'est la Mustang GT. De 1968, Steve McQueen et Colin Bellitt Mustang. Donc pareil, montrez votre intérêt si cela vous intéresse. Allez voir sur ma page, j'avais posté des photos déjà il y a un petit moment. Donc on voit tous les détails de la voiture après. Donc le moteur, les roues. GT, la porte qui s'ouvre, les fenêtres également, les détails intérieurs. Les détails de voiture, il y aura des kits pour la customiser, pour la rendre vraiment comme dans le film. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, on pense à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook et Instagram, sur les groupes de construction, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye !